Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte, si j'arrive à allumer. Voilà. Voilà, impeccable. Alors j'en ai pris un de l'année dernière. Je crois qu'il est de l'année dernière celui-là. Donc voilà. Hop, parce qu'à force là de mélanger tous les blocs, j'avoue je ne sais plus où j'en suis. Qu'est-ce qu'on prend? Une carte couleur craft. Ouais, on va rester sur du craft. Alors, c'est des enveloppes, ça fait fou les enveloppes pour le moment. C'est la carte que je veux. Voilà. Une carte. Donc, du coup, alors, combien mesure-t-elle celle-ci? Par 14,9. C'était le même paquet, donc forcément, c'est la même chose. Alors, donc, j'ai pris celui-ci. Donc, j'aime bien celui-là. Le mur, mais avec un mur de neige, je pense. Ouais, ça me plaît bien. Donc on va faire 14,5 sur 14,5. Si vous avez le massicot, vous prenez le massicot. Moi, il faut que je le change. Puis je vous dirais bien à l'allure où ça se... Comment dire? À l'allure où ça s'abîme. Je préfère le cutter. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais je préfère le cutter. Donc voilà. Alors, on coupe. J'espère que du côté de chez vous, vous n'avez pas eu trop de dégâts. Nous, la maison, il y a la tonnelle. Donc on n'a plus de tonnelle de jardin. Mais mis à part ça, tout va bien. Parce qu'avec le vent qu'on a eu, enfin c'est même pas du vent, c'est les tempêtes de toute façon. C'est les tempêtes. En plus je suis proche de Poitiers, donc là la dernière tempête nous a bien... On l'a bien entendu, on l'a bien senti. Donc voilà. Hop. Alors par contre sur celle-ci, je vais faire ça. Nous, en fait, moi j'habite entre Niort et Poitiers, en fait. Donc, on était plutôt pas mal, niveau vent. Voilà. Ceci. Voilà. Donc. Alors ça va être une carte assez simple, je ne veux pas qu'elle soit chargée, c'est vraiment le minimum. Voilà, alors mon torchon je l'ai retrouvé, en fait il était dans un carton, il avait glissé. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est impeccable. Je vérifie toujours en cas où. Donc, mon petit mur, il est fait. Voilà. Alors, sur ce petit mur, je voulais rajouter cette jolie voiture. Elle est trop belle.
petit message aussi. Voilà. Je prends tout ce qu'il me dit sur cette page. Hein. Je ne cherche pas à comprendre. Ça pour un coin. Voilà. Ça, j'aime bien. Alors, ça aussi, mais je ne sais pas si je vais le mettre. Ça va être l'un ou l'autre. Soit Laurent, soit celui-là. Et pourquoi pas un casse-noisette. Ça va changer. Ça va changer. Alors, donc. Voyons voir. J'ai pris tout ce que j'aimais. Hein. Comme ça, je l'ai mal déchiré. Il va falloir que je le recolle bien. Voilà. Ou alors là-haut. Ouais, ça j'aime bien. Voilà. Alors, je vais plus mettre ça. Voilà. Avec un petit lit sur le bas de la page. Et peut-être pas ça, alors je sais pas. Voyons voir. Non, dessus, ça fait sympa. J'aime bien. Alors, celui-là, on va l'enlever du coup. Pour moi, c'est très bien. Et mon petit lit, on va peut-être le mettre là. Comme ceci. Voilà. Bah, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Voilà. Ça, je vais le garder. Et je vais coller tout ça parce que ça me plaît bien. Comme je vous ai dit, ce sera une carte toute simple, mais toute mignonne. Alors, il faut qu'elle dépasse un tout petit peu de la carte. Enfin, pas de la carte en elle-même, mais du papier décor. Voilà. Pour avoir l'impression que ce sont des vrais. Voilà. Donc, ça, on va la coller là. Ceci. Qu'est-ce que tu manges maintenant? Voilà. Voilà. Alors, voilà. Et le petit message.
je vais la laisser telle que parce qu'elle est magnifique comme ça. Je la trouve très belle. Voilà. Alors, vous auriez pu le faire en 3D, mais moi, je l'aime bien comme ça. Voilà. Sur ce, bah, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !